Vous savez qu'aujourd'hui j'ai développé le serveur Alert CG, donc mon co-groupe qui est spécialisé dans les sneakers. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous accompagner également dans l'achat-revente de vêtements. L'équipe, je me réveille aujourd'hui, j'ai un démon. En gros, je devais aller au marché ce matin avec Théo. Le marché, il est super tôt, il est à 5h. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai walking hard toute la nuit, mon gars. Et là, je vois mon réveil, il sonne pas. Du coup, je me réveille pas, je me réveille à 11h. Ça veut dire, ce voyage-là, ce périple jusqu'au marché à 5h du mat, on l'avait déjà fait la semaine dernière parce que je voulais faire une vidéo. Malheureusement, la semaine dernière, Théo m'a amené au marché alors qu'il n'y avait pas de marché. Du coup, bah là, j'ai toujours pas pu aller au marché, j'ai trop le démon. La semaine dernière, les gars, on est allé. Eh, c'est 30 minutes en Vélib. On a fait dans le froid à 5h du mat. J'avais envie de le tuer quand on arrivait. Mais bref, du coup j'ai décidé de me rattraper. Et comme vous le savez, voilà, dans le 18ème, il y a plein de shops friperies, on va dire, genre qui sont assez intéressants, où tu peux avoir des prix intéressants. Donc si tu te balades un peu, tu peux trouver des trucs assez stylés. Donc ce que je me suis dit, c'est que pourquoi pas faire une vidéo où justement je vais dans les shops, parce que tout le temps on va dans les marchés. Je vais dans les shops et je vous montre qu'est-ce qu'on peut trouver. Aujourd'hui en plus, je crois qu'on est jour de livraison, donc c'est là où on a le plus de chances de trouver des petits trucs. Donc voilà, c'est très très carré. Aujourd'hui on va faire deux shops et demain je pense qu'on fera un shop. Je sais pas si ça sera moi qui ira, parce que demain j'ai une conférence à faire pour une classe où genre je dois parler un peu des réseaux sociaux de ça, donc c'est d'art, mais du coup je pourrais pas être là à l'ouverture, donc ça c'est problématique. Sûrement que j'enverrai Théo, Isaac, je sais pas qui prendra pour moi, et ensuite on déballera en vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de montrer que voilà, on peut faire de l'argent en achetant et revendant des vêtements de seconde main ou neuf, hein, bien sûr. Voilà, il y a les sneakers comme vous le savez sur ma chaîne, mais là j'ai envie de montrer et de développer un peu plus la partie vêtements, parce que c'est vrai qu'avec Central c'est tout ce qu'on a fait. Certes c'est différent parce que c'est pas Vinted, mais on peut faire grave le même principe sur Vinted. Et en ce moment, je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, c'est très tendance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. En tout cas, ça dépend de comment vous vous y prenez, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de sous à se faire. L'intro, elle est un peu longue, je raconte ma vie comme d'habitude. Encore une fois, deux cadeaux. Une clé pour mon co-groupe Sneakers. Sachez que dedans, il y a un petit bot Vinted, donc ça peut être toujours intéressant. La clé, normalement, elle est à 75€, du coup, je vous l'offre. Et également, un abonné gagnera un ebook. Du coup, on tirera deux commentaires aléatoires. Bien sûr, faut qu'il soit abonné. Et voilà, on fera gagner tout ça. Nous, on se retrouve directement là-bas. Sachez que là, il y a du lourd qui arrive. Sachez d'ailleurs que j'ai une petite surprise pour vous également à la fin de la vidéo. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Voilà, les refs, on se retrouve tout de suite là-bas. D'ailleurs, les dix, avant que je parte, vraiment, je tiens à vous préciser que Vinted, c'est très très fort. Que vous ayez un bot ou pas, si vous connaissez le marché, donc si vous savez quelles pièces acheter, combien les revendre, etc., tous les petits glitchs, on va dire, Vinted, toutes les petites astuces, mais je peux vous assurer que vous pouvez vous faire entre 200, mais minimum, hein, et aller à des milliers d'euros chaque mois. Encore une fois, ça dépend de comment vous vous y prenez, si vous vous la donnez ou pas, mais j'ai parlé à des mecs, ouais, ils font des 2000, 2005 par mois sur Vinted. Là, pour moi, je vais vous montrer dans les shops, mais vous inquiétez même pas, il y a des vidéos qui arrivent où on va acheter directement depuis Vinted. J'attends juste un petit micro pour que la vidéo elle soit plus carrée. Du coup, non ego, c'est parti. Je suis pas là, mais bon, pas d'étiquette, ça c'est fait. Là, les gars, petit jogging light cargo, il a l'air d'être tout à fait clean, et ça je sais qu'on en a déjà vendu, ça part très très bien. Il est un peu cher, il est à 20€, mais on va prendre ça. On se balade, qu'est-ce que je vois. On va aller voir ça, combien c'est. Jordan 11 lot, pas mal, 20€. On va checker ça. Là j'ai ça pour 20€. Mais quand je regarde les offres, on est à 40€ sur Vinted. Je sais pas si je vais me prendre la tête à les prendre. Du coup là pour l'instant, je vais pas prendre, je pense. Bon, je vous avoue, là résultat c'est pas ouf. On repart avec un jogging. Il a quelques défauts. Il va falloir le laver, mais normalement ça devrait être bon. Je pense qu'on peut en obtenir 30, 35. Petit plus 10 sur Vinted, l'histoire de voilà développer la trésorerie. De toute façon c'est instant. On va le lister. Je vais faire des photos tête portée, je sais pas. Et on verra. Et ensuite là on va aller à un autre shop, mais bon aujourd'hui il n'y a pas grand chose et je pense qu'on continuera demain, parce que demain il y a une autre friperie où les réassorts c'est demain. Du coup bah je pense qu'on ira aussi là bas et comme ça fera une bonne petite vidéo. Deuxième shop là, c'est parti. Bonjour madame, excusez-moi, ça c'est combien ça? Ça c'est 25€. 25€? Ouais. Vas-y, je vais vous la prendre, hein. Bon,
bah les gars, il est 13h, vous l'avez compris, on revient juste du marché. J'ai un démon. Comme par hasard, vous allez comprendre. Du coup, je filme, j'ai fait les deux shops. Le premier shop, je filme tout ça, genre des petites sapes ou quoi. Et le deuxième shop, je filme vite fait, mais il n'y a pas grand chose. Du coup, je filme pas. Et là, j'arrive à la caisse, je vois une veste Ralph Lauren, je vais vous montrer ça. Je demande à la meuf, elle me dit 25€. J'essaye de filmer, je clique sur ça, j'ai plus de stockage. J'essaye de gérer ça en vite fait, impossible. Quand j'ai des problèmes sur ça, moi, ça bug un tas. Du coup, je devais tout supprimer, tout ça, j'ai pas eu le temps. Vraiment, vous allez même pas me croire et ça me fout le seum parce que vous savez à quel point les TikTok, quand je fais des négociations, ça pète. Là, le total de ces deux shops, j'en ai eu pour 55. Du coup, comme vous pouvez le voir ici. Et vraiment, c'est pas du floco, hein. Guérida Shop, midi 46. Y a pas de floco, hein. Vraiment, là, c'est pas du floco. Et également, l'autre, j'en ai pour 20€. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Eh, vous allez péter un cap. Vraiment, je crois. Là, je suis en train de voir avec Théo pour essayer qu'on rattrape pour faire un TikTok dessus. Parce que je peux pas laisser cette veste sans vidéo sur TikTok. Parce que les gens, là, on fait 1 million si je la montre. Du coup, il y a deux sacs. Ça, c'est le premier truc que j'ai acheté. Du coup, le premier bail que j'ai acheté, c'est un petit jogging Nike. C'est un cargo. Attends, je vais vous montrer ça plus. En gros, c'est un petit cargo comme ça. Je sais qu'on en a déjà vendu avec Central. Ça part aux alentours des 35-40. Juste, il a un petit truc ici, mais bon, rien de grave. C'est même pas un trou. Et voilà, après, il est un peu sale. Une petite machine. Il a ça ici, mais voilà. Après, sinon, c'est juste du sale. Je l'ai payé un peu cher quand même, je trouve, parce que je l'ai payé 20€. Mais bon, c'était la première pièce et je me voyais pas ne pas sortir du shop sans pièce. T'as vu, pour qu'il y ait quand même un minimum de contenu. Du coup, ça, c'est la première pièce. Et là, je vous garde le meilleur. On va commencer. Du coup, la veste Ralph Lauren dont je parle. Deuxième shop. Tourne un peu, je vois rien. Je vois cette veste Ralph Lauren attachée. Demande le tarot. 25€. Je vais vous montrer ça plus proche. Mais bon, 25€, vous-même vous savez. Même si c'est pas forcément la période. Et encore, là il fait beau aujourd'hui. On va la repasser, laver, repasser. Ça, ça vaut facile un petit 55-60, je pense. Voilà les tradars, logo Ralph Lauren, bouton, étiquette, étiquette à l'intérieur. Pas de fake, hein, parce que je vous vois venir. Tout bien. Donc voilà, juste à repasser. Donc là, 25€ celle-ci. Je vais en faire une autre avant de vous montrer le banger. Ça, c'est la dernière pièce que je trouve. Je cherche un peu. Je vois cette pièce-là, cette pièce-ci. Petite veste Nike, je crois celle-ci, 10€ il me semble. On va recalculer après, mais il me semble que c'est 10€. Du coup, c'est une taille L. Voilà, rien de fou. Petit logo Nike brodé ici. Vous savez, ces vestes, elles sont d'art. Hein. Elle est cool de fou, petite étiquette, voilà. Encore une fois, pas de fake, hein, bien sûr, et les étiquettes à l'intérieur. Voilà, tout est là. Donc ça, 10€. Donc là, on a un total de 35€. Le ticket, il est à 55. Hein. Eh, vous allez câbler, mais vraiment, les gars, ce que je vous dis, j'ai un semain. Veste North Face. 25€. Et en fait, au total, j'ai eu les 3 pour 55 puisque j'ai négocié. Elle m'a dit, ouais, c'est jour de livraison, mais vas-y, je te fais 5€, du coup 55. Et frère, je vais péter un câble. Certes, attention, c'est pas une men size, c'est pas une taille homme, c'est une taille enfant. C'est une L enfant. Mais ça, pour une meuf, c'est parfait. Ça, je pense que ça, c'est minimum 100 balles sur Vinted. Sachant qu'elle est en parfait état, je vais vous montrer tout ça. C'est une dingue. Vous connaissez ce modèle, hein? C'est les petites 700. Du coup, hop. Étiquette, tout bien, vraiment parfait état comme vous pouvez le voir. Enfin, non, vraiment, c'est une dinguerie. Ici, le petit logo sur l'étiquette. Et enfin, encore une fois, pour l'authenticité, le petit North Face ici. Et toutes les étiquettes qui vont bien avec étiquette authenticité North Face. Bref, c'est juste une dinguerie ce que je viens de faire. Vraiment, je suis trop content. Voilà, une petite dinguerie. Du coup, total du marché 75€ et on a ces 4 pièces. Là, je vais commencer à lister ça sur Vinted en attendant le marché de demain, du coup. Ou je pense que ça sera un collègue qui ira comme Théo, Isaac. Comme ça, on va commencer à revendre. Et à la fin de cette vidéo, ça serait bien de voir qu'est-ce qu'on a vendu, à combien. Le but étant, encore une fois, comme d'habitude, acheter et revendre le plus vite possible pour accumuler un max de trésorerie. Je vais lister tout ça sur Vinted. Je sais pas, je pense que je vais appeler Théo pour lui demander parce que vraiment j'ai le seum là. Il faut qu'on fasse une vidéo sur cette North Face parce que ça peut trop péter, ça peut faire 1 million de vues mais trop facilement. Vous connaissez, si on fait durer 1 minute, un bon petit billet, hein. En plus on met la chaîne YouTube, on fait monter, d'ailleurs abonne-toi. Là, objectif 30 000 quand même, ça serait cool. Faut qu'on finisse janvier avec 30 000. Ça, je pense qu'on va y arriver. C'est à moi de toute façon à faire du bon contenu, mais je pense qu'on va arriver. Encore une fois, il y a vraiment du très lourd, donc abonne-toi. Et abonne-toi si tu kiffes ce genre de petits contenus. Vinted, les gars, on va le démarrer en 2023, je vous dis. Je vais tout vous expliquer de A à Z comment est-ce qu'on fait des sous avec Vinted. Comme ça, vous aurez Vinted, sneakers, et là, vous allez vous mettre très très bien. Et ensuite, on ira aller chercher d'autres trucs. J'ai même d'autres projets qui peuvent... Là, on va taper tout le monde, les gars, on va faire une communauté de fous malades. Je vais prendre tout ça en photo et lister tout ça sur Vinted. Par contre, c'est juste que j'ai le seum pour la North Face parce que j'ai pas pu la filmer. Mais sachez que toutes nos vidéos, quand on fait des négociations ou quoi, il y a vraiment rien qui est truqué, mais celle-ci, je suis obligé de la truquer, les gars. Sinon, carrément, je vais revoir la meuf et je lui dis, ouais, est-ce que tu peux remettre ça? Et limite, je suis prêt à le faire. Hein. D'ailleurs, peut-être que c'est ça ce qu'on va faire. Je vais y réfléchir et on verra. En tout cas, vous verrez la vidéo, vous saurez qu'elle est pas originale. Je vais pas faire le gars ou quoi, mais là, on va commencer les photos. Et déjà, premier conseil, vos photos, les mecs, appliquez-vous. Voilà, vous savez que le plus important, c'est le visuel, comment ça rend. Vous avez beau avoir une sape qui est moche, combien ils vendent des sapes qui sont moches sans marque à des bons prix juste parce qu'ils font la bonne photo. Donc, c'est très très important de faire
faire la bonne photo, de bien mettre la lumière. Là, je vais utiliser la lumière du jour. Je vais même pas utiliser des lampes ou quoi, pour vous montrer que voilà, naturellement, on peut y arriver. Vous voyez, j'ai posé la doudoune comme ça. Je pense que je vais prendre une première photo où les manches vont être coupées, et ensuite une photo où je vais recouper les manches. Je vais en faire plein, quoi, genre un maximum de photos pour que le client il sache vraiment à quoi s'attendre. Je vous mens pas, c'est une galère de tenir l'appareil photo, de tenir l'appareil photo et de prendre les photos avec mon bigot. Du coup, je vais poser la caméra et je vous retrouve dès que j'ai fini toutes les photos. Je vous montrerai comme ça sera bien clair dans votre tête. Donc là, je prends vraiment un max de détails. S'il y a des défauts ou quoi, bien sûr, je précise. Bon, on a fini de repasser la STV, hein, je vous avoue, j'ai pris peut-être 10 minutes. Déjà là, on voit un gros changement. Après, le truc, c'est vas-y, je vais pas me casser la tête à tout bien repasser, tout carré, parce que c'est pas central ici, hein, c'est Vinted. Voilà, je pense que là, on a déjà bien fait les choses. Je vais prendre 2-3 photos, on va voir ce que ça donne. Si c'est encore trop plié, je repasserai un coup de faire passer. Mais je pense que là, ça le fait grave. Et voilà, et on va voir si on peut avoir des photos assez carrées. Voilà, c'est quand même important, les gars, de repasser vos affaires quand vous vendez, parce que encore une fois, le but est d'avoir les plus belles photos ici. Je pense qu'il y a moyen que peut-être que ça se voit pas trop, je vais voir ce que ça donne. Là les gars, j'ai toutes les photos, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, des photos bien claires, bien nettes, de toute la pièce. Les défauts, s'il y en a, là il y en avait pas. Voilà, vraiment un maximum. Et la veste Raflorenne, j'ai pas pu encore, parce qu'elle a des petites, vous savez, sur le fer à repasser, parfois ça met un peu d'eau, j'ai pas pris la photo si elle est tachée. Le jogging, j'ai déjà pris les photos, mais il y a des petites taches, du coup genre je verrai. Là je vais le mettre à laver. Si le client me demande s'il a toujours les taches, je renverrai, je reprendrai des photos du truc bien clean. Du coup là, je vais m'occuper de mettre tout ça sur Vinted. Là il a actuellement du coup 13h41. Théo m'a répondu les gars. Ouais, du coup je lui ai envoyé la photo de la TNF en lui disant ouais mon ref, là faut qu'on trouve une solution pour refaire le TikTok sur ça. Et lui me dit non mais ça c'est vas-y, c'est vite fait ça. Il dit je m'enjaille pour rien. Je sais vous êtes enjaillé de ouf. Du coup, pour lister une annonce les mecs sur Vinted, bah je vais pas vous mentir hein, c'est simple. Plus ici, je vais tout vous montrer hein, je vous ai dit hein, avec moi vous allez tout comprendre de A à Z. On met les photos ici, du coup ajouter photo. Par exemple la TNF là. Je vais faire la belle photo en entrée. Carrément je vais enregistrer mon écran. Comme ça vous allez voir ici. Du coup, regardez un peu toutes les photos de la TNF que j'ai mis. J'en ai mis, je crois, 16. Un truc comme ça. Comme ça, elle est toute claire. La première, j'ai fait un truc un peu esthétique. Et la deuxième, on voit tout. Mais comme ça, c'est bien, je trouve, un peu d'esthétisme dans Vinted. Ça fait pas de mal parce que c'est vrai qu'il y en a les annonces, c'est salé. Du coup, on l'appelle Doudoune. On l'appelle en français, hein, c'est le mieux. Doudoune The North Face 700 taille L enfant à 1XS. Femme. Ensuite, couleur vert noir, état comme neuf, envoi 24 heures. Voilà, comme ça, là, tout est clair. État comme neuf, bah, c'est parce que la doudoune, elle est en parfait état. Ensuite, on va mettre les catégories. Du coup, on va dans femme, vêtements, manteau et veste. Et là, on va dans veste. Et là, on va dans doudoune. Ensuite, marque. Normalement, il va proposer. Ah non, il propose pas. The North Face. Taille. Bah, du coup, on a dit XS, voire. On va mettre en S pour taper plus de monde encore. C'est mieux, je pense. État, très bon état. Vert foncé et noir. Prix sans les frais de port. J'avoue, je me suis pas renseigné, mais je pense qu'on peut mettre peut-être un petit 150. Je pense que, allez, on l'attente à 130. On l'attente à 135, comme ça on essaye de faire un plus 100. Format du colis, moyen, ouais. De toute façon c'est pas notre charge, ça on s'en fout. Et booster l'article, non on va pas le faire. Après si vous voulez que je vous en parle de ça, ça peut être sympa. Et ensuite on fait ajouter, normalement une petite vérification maintenant à skip. Ils m'ont dit même pas, et voilà, et on va voir, on va attendre hein. Je vais comparer, là j'ai pas fait le truc qu'il faut faire, mais là l'annonce elle est parfaite. Du coup il y a plein de photos, les photos sont claires, il y a une bonne description, il y a tout ce qu'il faut pour voir. Mais il manque un truc, c'est que je me suis pas renseigné sur le prix pratiqué des concurrents. Du coup bah là faut que je m'en occupe, comme ça je regarde un peu si on est au dessus en dessous. Le mieux encore une fois, si on veut faire partir vite, c'est de se mettre dans les premiers prix. Après l'état là il est vraiment nickel, du coup je vais regarder un peu et je vous tiens au jus. Et le mieux carrément, là je l'ai pas fait parce que j'ai pas le mannequin avec moi, mais ce soir je pense que je le ferai en voyant un peu les résultats, c'est de mettre une photo portée. Bah là tu vois, comme c'est une veste de meuf, bah je demanderai à une meuf. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur Vinted. Une bonne photo portée, même par exemple le pantalon là, si je fais ça, bah c'est sûr que ça se vend vraiment très rapidement. Voilà pour une bonne annonce, je pense que là j'ai tout dit, j'ai tout mis, une bonne luminosité, et voilà. Là je vais lister toutes les pièces et on va voir ce que ça donne déjà aujourd'hui. Vraiment les gars, je viens de voir la même doudoune, exactement la même taille L, du coup correspond à XS femme. 210 euros. Et il y a 14 membres intéressés. Pour savoir si le prix il est correct, vous pouvez regarder les membres intéressés.
Elle a été postée à 3 semaines, 14 membres intéressés. Du coup, ça veut dire que c'est pas mal. Peut-être que moi, je peux carrément augmenter mon prix et me placer peut-être à 160 pour essayer de vendre assez rapidement. Je pense que 165, allez, 165, on fait les croqueurs un peu pour se mettre bien. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et je vous tiens au courant. Bon, bah c'est bon là, tout est en ligne. Du coup, les 4 pièces sont en ligne. J'ai déjà une offre pour la doudoune à 150 parce que de toute façon, je sais qu'on a mis un bon petit prix. Plus qu'à attendre les refins. Mais en tout cas, moi, je suis grave content de ce qu'on a pu trouver ce matin. Et oubliez pas la fin de cette vidéo, grosse surprise les refins. La luminosité, ça rend ouf. Du coup, aujourd'hui, là, je vous ai dit, je devais donner un cours sur les réseaux sociaux, du coup, dans une école privée sur Paris. Voilà, je pense que j'ai d'être ça. Hein. Travailler ce matin, je me suis réveillé à 5h du mat pour écrire tout le projet parce que ça prenait quand même du temps. Fallait que je fasse un cours de 1h30, genre pour comment se développer, comment créer une communauté forte sur les réseaux sociaux. Genre, j'ai fait un plan grave carré, tout ça. Si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo là-dessus avec grand plaisir. Moi, ça me fait grave kiffer en vrai de parler de ça. Et si vous cherchez des intervenants, je prends aussi. Mais bref, il s'est passé un tas de trucs. La tête de WAM. Je vous ai dit, la vidéo là pour la North Face, hier je pouvais pas la tourner parce que j'avais plus de batterie. J'y suis retourné, la meuf elle a bien voulu retourner la vidéo. Je suis KO, carrément elle m'a mis un nouveau sac. On a tourné ça, elle a trop joué le jeu. Elle m'a rendu la monnaie de ça, vous allez voir la vidéo elle est... Heck, elle s'est grave pas cramée. Et voilà, je suis grave refait. Et par contre, et là c'est une dinguerie. Attendez. Et les gars, aussi le dinguerie, je vous ai pas tenu au courant hier, mais on a déjà vendu 2 pièces. Je vais vous montrer à quelle heure ça s'est vendu parce que sinon vous allez dire je suis un menteur. Alors, on a vendu la veste Nike, vendue hier. Mais putain, on n'a pas l'heure. Vous pouvez la déposer quand? Bref, elle a été vendue à 23 euros la veste. On l'avait payé du coup 5 balles parce que je l'avais payé 10 balles, mais elle m'avait mis la réduction. Du coup, je préfère mettre la réduction sur cette pièce là. Du coup, on vient de prendre 18 euros sur cette petite pièce. C'est pas un truc de ouf, mais c'est sympa. Et la North Face, dinguerie, hein. 165 euros, encore une fois. Voilà, elle a été vendue dès hier. Mais encore une fois, une dinguerie, 165 euros. Du coup, là, j'ai mon TikTok et on va pouvoir faire un truc de ouf, malade. D'ailleurs, les gars, j'en profite pour vous dire que là, moi, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, je fais pas ça de toute façon. Sinon, je vous l'aurais même pas dit, je l'aurais caché. Mais faites attention à ce que vous voyez sur internet parce que vous voyez comment est-ce qu'on peut truquer la réalité. Genre là, je vais refaire tout le TikTok, c'est la vérité. Mais si je voulais, je pouvais inventer un pipeau, lui faire genre, dis-moi que c'était 5 euros et l'affaire à 5 euros et genre je fais ça, j'ai une North Face à 5 euros. Vraiment, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet, genre c'est très facile à modifier et je pense que c'est très important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent et aujourd'hui c'est très facile de s'inventer une vie, tu vois. Et voilà, donc surtout, je sais que ceux qui me suivent, vous êtes plus ou moins jeunes, genre l'apparence ça compte pour beaucoup et il y en a qui la faussent en fait, qui la faussent totalement. Comme vous le voyez, genre on peut faire des vidéos comme ça, après on peut s'inventer une vie carrément, faire le trader qui vit dans des villas, tout ça, mais tu peux aussi louer la villa pendant un jour et dire, derrière dire ouais non c'est grâce à ça que je me paye ma villa toute la semaine, tout ça. Mais voilà quoi, ça peut vraiment s'inventer une vie et c'est très facile aujourd'hui sur internet. Donc réfléchissez à deux fois maintenant quand vous voyez des vidéos. Après avec moi, vous connaissez, je voulais être clair et net avec vous. Toutes les autres vidéos par contre c'est que du vrai, vraiment que du vrai. Mais voilà, comme les pièces d'ailleurs, il y a que du vrai. Bah du coup maintenant que j'ai ma vidéo, je vais pouvoir faire les colis. Je sais pas si je vais envoyer aujourd'hui. De toute façon la vidéo elle est carrément finie parce que aujourd'hui j'ai envoyé Isaac chercher des pièces et il m'a dit qu'il y avait rien. Du coup je vous avais dit ouais, comme j'avais la conférence je pouvais pas y aller, mais il m'a dit qu'il y avait rien, du coup il y a rien à ajouter. Donc là ce qui nous fait, on va sortir la calculette pour faire crari, hein, 165, on a dépensé du coup 55 plus 20 comme je vous l'ai dit, donc 75 euros, c'est pas un calcul de ouf. Et on a vendu pour l'instant pour 165 et 23, du coup ça nous fait 168 188, donc on est à 113 de bénéfices. Là j'ai mis moins 113 parce que c'est négatif, mais on a 113 de bénéfices déjà. Et il nous reste la veste Ralph Lauren, j'ai des touches à 40 euros et il nous reste également le jogging. Je sais que je pense que ça va partir à 30. C'est très carré, ça fait pile un jour. Et encore, si je voulais vraiment faire le truc au max, j'aurais envoyé en moins d'un jour, genre en 12 heures à peine, on aurait déjà fait 113 euros. Donc c'est quand même très très puissant les gars. Après là je suis d'accord, j'ai eu l'affaire du siècle. Genre péter une doudoune comme ça, aussi peu cher, c'est une dinguerie. Vous voyez, à chaque fois que je vous emmène dans des vidéos, on trouve des trucs sympas. Vous vraiment, allez dans vos brocantes, friperies, allez chercher. Celle-là elle était derrière le truc comme je vous l'ai dit, elle était galère à trouver. Fouillez, vraiment vous allez tomber sur des trucs. Trouvez des endroits, enfin genre vous allez trouver plein de trucs, ça peut aller très très vite vraiment. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un rat, je sais pas parce que je suis sur Paris que je vais continuer que sur Paris. On va faire une série sur Vinted à un truc de fou malade et on va brasser juste avec Vinted en achetant et revendant directement via la plateforme. Et vous aurez un truc carré où on voit tout le bénéfice qu'on aura fait. Mais les gars, faut vraiment pas dormir. Aujourd'hui Vinted ça peut vraiment rapporter pas mal et c'est un peu ce que je veux vous faire comprendre là avec Vinted parce que c'est quand même très très chaud. Bien sûr c'est pas parce qu'il y a Vinted que j'abandonne la sneakers, hein. Là je viens de prendre 400 euros sur une paire, mais bon c'est encore une fois c'est pas tout
tous les jours. Peut-être qu'on pourrait se faire un challenge Vinted vs sneakers. Ça pourrait être dark. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que ça peut être une bête idée. Je pense qu'on va faire les petits colis, hein. Let's go. Du coup, c'est plié. Je vais mettre dans ce sac plastique, hein. J'ai pas de pochette là. Et vous connaissez, c'est Vinted. Hein. On n'est pas cramé, hein. On fait pas cramé. Je vais fermer ça bien. Personne se doutera en plus qu'il y a une TNF dedans. On va vider ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va mettre du scotch, hein, au-dessus. Je crois que ça part en Hollande, donc ça va être un peu long de trajet. Personne n'osera fouiller là-dedans. J'ai scotché tout ça. Et on va imprimer le bordereau, celui de la veste Nike. Le paquet, il est clean, non? En vrai de vrai, à part si quelqu'un le trouve, pas cramé. Je vais mettre un deuxième sac plastique au cas où. On sait jamais si ça se trouve. T'as vu, c'est cramé clean North Face. Du coup, je vais faire ça bien et on va re-scotcher dessus. J'avoue, j'ai rien du tout pour emballer, je suis une grosse vieille. Voilà, j'emballe le Nike aussi dedans. C'est pas cramé, personne n'ira fouiller, je pense. Voilà les deux guesses que je viens de faire, les gars. Je pense que personne les volera. Ça, c'est clair et net. Là, l'équipe. Eh ben, c'est un coup au montage. Ou mets-moi un bip là sur cette phrase. J'ai entendu dire que maintenant il bloquait tous les gros mots. Eh, ça va être chaud maintenant. Va falloir être technique. Eh, je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est la fin de YouTube. Bref, continue dans le challenge. J'essaye. Là, on m'a demandé des photos de la veste Ralph Lauren ce matin de dos. Du coup, j'ai envoyé. Malheureusement, les produits là, ils arrivent pas trop à partir. Après, là, on est du coup à 42€ la veste. Ça me demande des photos portées du pantalon. Moi, je fais du S, je fais pas du M. Du coup, c'est un peu problématique. Sinon, il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse venir et je lui fais porter. Et la veste, voilà, j'ai mis à 42€. Il y a 6 favoris. Je pense qu'on va la vendre vite. Mais autant, sinon, je la vendrai à 35. Histoire de faire un petit plus 10. Mais encore une fois, genre, c'est juste pour le challenge que je la vendrai vite. Parce que de toute façon, ça, je sais que ça partira. Là, c'est juste, c'est pas la période. Pour débrief un peu, comme on l'a vu, bah, c'est quand même essentiellement les vêtements de saison qui sont partis. Donc, une veste Ralph Lauren va mettre plus de temps en hiver à se vendre qu'une doudoune The North Face. Je pense que la doudoune, c'est vraiment le moment parfait parce que c'est janvier, c'est là où il commence à faire froid. Et en plus de ça, il y a le ski qui arrive. Du coup, voilà, laisse tomber. Et non, ça montre à quel point, encore une fois, même s'il faut pas être teubé pour le comprendre, Vinted marche en fonction des saisons. Et de toute façon, ça, c'est dans tous les business de vêtements. Il faut s'adapter à la saisonnalité. Et voilà. Et aussi, encore une fois, les marques. La puissance des marques, c'est une dinguerie. Vous avez bien vu, les vêtements que j'ai achetés, les pièces que j'ai achetées, c'est que des vêtements de marque. On parle de The North Face, Ralph Lauren et Nike. Et ça s'est vendu très vite. Après, le plus important, c'est d'avoir les connaissances, les bases. Moi, j'ai les bases. Je sais ce qui se vend, ce qui se vend pas, à combien acheter, à combien pas acheter. Donc une fois que vous savez tout ça, mais laissez tomber. Et d'ailleurs pour ça les gars, j'ai un truc pour vous. Et justement je voulais vous en parler maintenant. Je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise dans cette fin de vidéo. Comme vous l'avez vu, il y a du bif à se faire sur Vinted. Je vous ai pas menti, je vous l'ai prouvé là en direct. Et je vais vous prouver dans la période là qui va arriver. Donc soyez bien attentifs, je pense que ça peut vous intéresser. L'équipe, pour la petite surprise, on se retrouve 3 jours après. Il me fallait le produit sous la main pour vous en parler. Donc comme vous savez, moi j'ai une grosse expérience sur l'achat ou vente de vêtements. J'ai commencé avec ça avant de me lancer sur les sneakers. Il y a plein de vidéos sur la chaîne où on en parle. Où on passe de 10 à 100€, etc. Donc dans cette continuité, vous savez qu'aujourd'hui j'ai développé le serveur Alert CG, donc mon co-groupe qui est spécialisé dans les sneakers. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous accompagner également dans l'achat-revente de vêtements. Donc pour cela, on se lance Alert Vinted. C'est très simple. Pour vous faire très rapidement, je vais vous mettre le screen ici de tout ce qui se passe sur le Discord. Bien sûr, vous avez accès au Discord, lien en bio de cette vidéo, ça sera le premier lien. Donc vous avez un forfait qui est gratuit, où vous avez le talk général, etc. Très axé autour de la communauté, et vous avez également accès à 4 monitors de notre bot, comme ça vous pouvez tester les performances. Mais encore une fois, ça sera pas très poussé quoi, ça sera une recherche générale, mais comme ça vous pouvez tester un peu. Donc cet abonnement, je recommande pour les gens qui voilà sont curieux un peu de Vinted, qui veulent en savoir plus sans trop en savoir plus. Et ensuite vous avez 3 autres abonnements payants. Pour l'instant je vous recommande le plus, qui est à 15€ par mois. En plus de ça, on a mis une petite affiliation dessus, donc sur toutes les personnes que vous ramenez et qui prennent l'abonnement, vous allez prendre la moitié sur le premier mois qui est payé, donc 7,50€. Et donc dans cet abonnement plus, à quoi est-ce que vous avez accès? Vous avez accès à 80 monitors Vinted. Peut-être un peu plus, ça dépend en fait des saisons, parce que vous savez que pour Vinted, ce qui est important, c'est de voir en fonction des saisons. Genre mettre des shorts en hiver, ça marchera pas trop. Donc voilà, ces moniteurs là, ils sont focus sur les produits, les pièces les plus intéressantes, les marques les plus intéressantes, pour que vous puissiez directement gagner de l'argent avec l'achat-revente. Bien sûr, tous les moniteurs sont mis à jour continuellement avec nos staffs qui sont là, qui ont une grosse expérience, qui font du resell Vinted depuis pas mal de temps et qui gagnent des milliers d'euros chaque mois grâce à Vinted. Et c'est eux qui font un peu les mises à jour, qui disent peut-être se brancher sur cette
cette nouvelle marque là, ça marche très bien. C'est eux qui s'occupent du bot et qui vous mettent à jour tous les produits qui marchent le mieux possible. Si demain par exemple, je sais pas, les t-shirts Nike, ça marche super bien à 5€, bah, ils vous feront le monitor en temps et en heure. Bien sûr, vous avez également l'onglet suggestions pour suggérer aussi vos modifications. En plus de ça, vous avez accès à un channel vente privée. Donc là, la veille pour le lendemain, on vous indique toutes les ventes privées qui sont intéressantes pour resell. Sachez qu'en plus sur les ventes privées, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retourner les articles. Je crois que vous avez 30 jours. Donc ça, c'est assez carré. C'est du neuf en plus et ça part très bien sur Vinted. Le but, c'est quand même de faire un truc Vinted, mais de l'orienter autour du resell de vêtements. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Vous avez également un accès à toutes les soldes, tout ça qui peuvent être intéressantes, projetées par les staffs et la communauté. Et enfin, des réponses à toutes vos questions, à tous vos lady checks, à toutes vos estimations par des professionnels, donc des mecs qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on propose pas dans le free. Dans l'abonnement gratuit, ça va vraiment être autour de la communauté. Mais si vous payez, bah, bien sûr, vous avez accès à un accompagnement vraiment personnalisé et nos staffs seront là pour vous aider de A à Z quoi. Bien sûr, le serveur il vient d'être créé, donc il y a encore plein de trucs à ajouter et ça fait trop kiffer et j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'idées. Donc c'est que le début. Le serveur se passe lié en bio. Je vous conseille, là vous pouvez rentrer normalement, il n'y a pas de problème. Le serveur il est gratuit comme je vous l'ai dit. C'est juste si vous voulez payer, il faudra aller sur un onglet. De toute façon, tout est très bien expliqué. Vous trouverez toutes vos informations directement sur le serveur. Tout se passe lié en bio. Avant de terminer cette vidéo, merci du fond du cœur pour tout le soutien. Là je vois qu'on va quasiment atteindre les 30 000 alors que j'ai même pas sorti de vidéo. Dimanche prochain, on se retrouve pour une très très grosse vidéo. A eu un problème d'ordinateur, c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie dimanche. Ça nous a permis d'améliorer justement ce petit serveur qui, je pense, va grandement vous aider. Bien sûr, n'oubliez pas, commentaire, like. On va faire en plus de ça gagner 3 abonnements lifetime au Alert Plus Vinted. Donc vous avez ebook, clé CG et 3 abonnements Alert Plus sur Vinted. Comme ça, vous pouvez vous régaler. Bien sûr, faut être abonné. Moi, je vous dis à dimanche prochain. C'était Félix. Ciao.